Fils de pute! Mortel comme soirée. Regarde-toi, John. J'ai un cloporte sur son dos. Je peux te sortir de l'embarras dans lequel tu t'es mis. Je suis celui qui peut changer un de tes choix. Quel choix ? Pourquoi elle t'a tiré dessus, ta femme ? Selma. Selma. Rappelle-toi, John. Rappelle-toi. Tu lui as donné ta belle carte de visite de directeur général. J'avais jamais fait ça avant. C'était comme quelque chose d'inévitable. Inévitable ? Vous êtes tous les mêmes, même si quelque chose ou quelqu'un pouvait vous dédouaner de vos choix. Tout est question de choix. Tout le reste, c'est de la croyance. Confortable. La faute au destin, la fatalité à lui là-haut. Vous avez un nombre incalculable de mots et de concepts pour ne rien assumer. Et donc ? Je me suis installé avec Selma à Hummington, dans un quartier minable. Perdre ma femme m'a viré. Je m'en foutais. Et ta vie s'est écrasée au sol, comme la merde d'une vieille vache tombe de son cul flétri. C'est pas... Tout dépend de comment on voit les choses. Pendant 6 mois, je me suis senti libre, heureux, en vie. Vous comprenez ? En vie. Ouais, et puis... Elle est morte. Fin de l'histoire. Ok, John. Je peux t'arranger le coup. Une longue vie paisible et riche, de l'argent, la présidence de l'entreprise du beau-père un jour, des enfants, des petits-enfants, des maîtresses. Moi, John, moi, je te donne la possibilité de revenir à zéro. Une vie pleine et entière, plus question de fatalité, plus question de ce genre de conneries. Je te donne l'occasion d'être le maître. Ton propre Dieu. C'est l'instant du choix, c'est ça ? Il te reste plus beaucoup de temps, on dirait. Pourquoi vous faites ça ? Ça quoi ? Laissez le choix. Chacun son business, John. Disons que c'est mon côté humaniste. Je me souviendrai de ce qui s'est passé. De vous. De Selma. De ces 6 derniers mois. Non. Bien sûr que non. Tu lui donnes ou pas ton numéro de téléphone ?
pète.